C'est l'histoire du jour. On ne plaisante pas avec la féminisation des titres. Un député a été condamné à une grosse amende, un quart de son traitement mensuel, pour avoir appelé à l'Assemblée nationale, celle qui présidait la séance, Madame le Président et non pas Madame la Présidente. Thierry Curtet, Julien Babsa. Le député UMP prend le micro et joue la provocation. C'est une femme qui, cette nuit, préside la séance. Et pourtant, il refuse de féminiser son titre comme c'est l'usage et l'appelle plusieurs fois Madame le Président. Merci Madame le Président. Merci Madame le Président. Monsieur Aubert, je vous fais un petit rappel à l'ordre. C'est Madame la Présidente. C'est un rappel à l'ordre. Julien Aubert est un récidiviste. En janvier dernier déjà, à la tribune, il interpellait la ministre de la sorte. Madame le ministre. Cela s'était terminé par un trait d'humour en guise d'avertissement. Monsieur la députée, vous étiez la dernière oratrice inscrite. Cette fois-ci, ça n'est pas passé. Monsieur Aubert. Merci madame. J'en profite en introduction puisque vous m'avez... Non madame, ça va pas non plus. Vous m'avez menacé. Non. Alors, attendez, monsieur Aubert, vous n'avez plus la parole. Soit vous respectez la présidence de séance, soit il y a un problème. Mais je respecte... Donc c'est madame la présidente. Voilà. J'utilise les termes de l'Académie française. Y a un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Faites un rappel à l'ordre, madame le président. Le député a été sanctionné d'une amende, un quart de son indemnité mensuelle, soit 1 400 euros.